Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Metro Redux 2033, Metro 2033 Redux. Toujours dans des endroits un petit peu sombres, en train de suivre un mec qu'on ne connaît absolument pas pour partir, tout simplement lui rendre un service. Et en même temps, ça nous permettra de nous échapper pour rendre un autre service. Bref, c'est un petit peu Serviceception par ici. Mais on n'est pas trop bien, voilà, c'est un peu dangereux quoi. Donc voilà, allez, je te suis. On peut pas spécialement lui faire confiance, on ne le connaît pas, mais en tout cas, pour le moment, il nous sauve la vie, en tout cas. Et il m'a promis son AK-47 aussi. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse, je vais pas vous mentir, j'adore les armes. Alors, bonjour. Alors j'ai aussi découvert qu'on pouvait avoir une petite lampe de poche. Et voici le marché, reste calme. Oncle Bourbon va nous faire entrer. Oncle Bourbon. Un briquet, je voulais dire, pardon, pas une lampe de poche. Allez, Bourbon. On croit en toi, Bourbon. Hey, vous, ouvrez. Ne laissez pas vos frères à deux pattes mourir si bêtement. Alors, comme ça, ça mènera à rien. Ou quoi, on va se faire bouffer. S'il vous plaît. La vache, qui vous avez amené avec vous? Merde, nos Alice. Ah! Tiens, accroche-toi! Le sang est avec nous! Wow, je l'ai one shot! Allez, ouvrez-nous là! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Viens voir! Ah! Eh, attendez, j'ai des balles incendiaires en fait. Ouais, ouais. Derrière toi. Moi aussi, je suis à sec, gros, je suis à sec. C'est bon. Oh là là. C'est pas bon. J'ai plus de mun, j'ai plus de mun, j'ai plus de mun, je peux rien faire. Je suis inutile, voilà. Mec, je cours. Et bah voilà. Fais ce qu'il demande. Ces types n'ont aucun humour. D'accord. Bourbon, vieil ami, c'est bien toi. Ah, je pensais pas te revoir vivant. Simon, regarde ce que les deux alliés ont amené jusqu'ici. Bon sang, on n'est pas dans la merde. Hé, hey, Mikalic, quelle coïncidence. Je venais justement pour te voir. Vous entendez, les gars? Sortez l'argenterie, Bourbon nous rend visite. Bon, t'en vas pas, Bourbon. On a un petit truc à finir. On revient te voir après. Souviens où tu dois m'attendre? Je me souviens. T'es sûr? Je peux te rafraîchir la mémoire, tu saisis? Parfaitement. Oh là. Bon, bref, donc voilà, il y a vraiment plusieurs clans et il y a des choses pas réglo à mon avis. Et ça fait peur. Bonjour. Alors moi j'ai rien demandé dans l'histoire, hein, juste... Très bien. Très bien, très bien. Je n'avais jamais vu un marché comme celui-là. On pouvait presque tout y trouver. Mais Bourbon devait de l'argent aux sentinelles de Ranza et préférait. Ah, c'était ça du coup, il dit. Ok. Qui va là? Avancez vers la lumière. Doucement, doucement. Ma parole. C'est Bourbon. Eh hey, les gars, on ferait mieux de fouiller ces deux-là. Alors, vieil ivrogne, qu'est-ce que tu trimbales cette fois? Et c'est qui ce garçon? Écoute, mon gars, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Bien sûr, on va parler, toi et moi. Tu gardes un œil sur celui-là. Oh là 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 là. Je sais pas, mais tain, il leur devait de l'argent du coup et il se passe trop de trucs. Pardon, oui, oui, pardon. Je bouge pas, promis.
peux quand même récupérer ça? Par geste, c'est à toi que je parle. Ok. Ok, ces deux-là peuvent passer. Bienvenue au marché. Oh, j'ai eu peur. On se mangue le cul. À moins que t'aies envie de profiter encore de leur compagnie. Hé, hey, tu me parles sur un autre ton. Bonsoir. Attendez, je vais lire ma note. Je dois bien le reconnaître. Jamais je ne serais arrivé jusqu'ici sans Bourbon. Il est surtout bourré. Hein. Il est à l'aise partout et connaît tout le monde. Comme je m'y attendais, les gens du coin avaient des comptes à régler avec lui. Mais tout semble rentrer dans l'ordre. Ce qui n'est guère surprenant vu que Prospect Mira appartient à Hansa, une union commerciale des stations du cercle, les états les plus riches de tout le métro. Ces citoyens qui tirent leur fortune des échanges avec les autres états et stations libres font tout naturellement passer le profit avant toute autre considération. J'ai la nette impression que Bourbon a trahi leur confiance par le passé et qu'il leur a promis de les rembourser, intérêt compris. Mais ne dit-on pas, mieux vaut contracter une dette avec le diable qu'avec Hansa. Je crains fort qu'il ait les pires difficultés à payer ce qu'il leur doit. C'est trop drôle. Et en plus, bon, au-delà du fait qu'il leur doit des dettes, visiblement, mais ouais, en fait, c'est un nouveau monde. Dans les métros, c'est un nouveau monde, en fait. Il y a plusieurs états, finalement, tu vois. C'est marrant. On est dans la merde jusqu'au cou. J'ai pas les moyens de payer les types de la drésine. On va crever, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fout là, du coup? Pourquoi on est allé là? Si tu sais qu'on va crever, en fait. Donc là, on est dans un nouveau clan, quoi, finalement. Ah, encore des morveux. On ne peut pas aller à Hansa. Tiens, voilà les cartouches. Va acheter deux filtres, tu veux bien? J'ai une idée. Je vais avoir une petite discussion avec une certaine personne. On peut se retrouver au bar du coin, ou ailleurs. Allez, c'est parti. T'as à peu près 5 minutes. Ok, il va vouloir qu'on les bute. Alors c'est où qu'on achète? Salut. Ça va? Très bien, tu me parles pas, tu me connais pas, t'as raison. On ne parle pas aux inconnus. Ils font peur, eux, hein. Répondez. J'ai acheté un serger hier. Quoi comme regard? Ici le métro de Moscou, à vous. Dis rendez-vous avec vous recevez. Après bagarre. S'il vous plaît, répondez. Dire-toi, mec. Pourquoi tu vas faire quoi? Bouge de là. T'imagines si je l'écoute pas, après il se passe quelque chose de ouf. Salut. Le chef est occupé, reviens plus tard. Ah, t'es gentil toi. Bon, c'est où qu'on achète? Market, là, voilà. Ah ouais! Très bien, petit banjo. Bonjour madame. Bonjour à vous. C'est où les armes? Ah, c'est là-bas, ça y est, c'est là. Waouh! Salut! Oula! Le passage n'est ouvert qu'aux résidents et travailleurs locaux. Ouais. Salut! Une nouvelle note. Les filtres et encore les filtres. Les stalkers n'ont que ce mot-là à la bouche. Ils ne cessent de rabâcher qu'on ne trouve pratiquement plus de filtres neufs ou correctement rafistolés de nos jours. Et que ces escrocs de réparateurs y mettent si peu de charbon qu'on a à peine le temps d'en fixer un sans masque qu'il faut déjà en sortir un autre pour le remplacer. Ah, les filtres pour les masques! Mais quoi qu'ils en disent, les stalkers y tiennent plus qu'aux balles. Ça n'a d'ailleurs rien d'étonnant. S'il est possible de s'aventurer en surface sans se faire repérer par les mutants, personne ne peut échapper à l'air empoisonné. Très bien. Ah, j'avais pas compris qu'il fallait des filtres pour les masques. Besoin d'aide? Non, ça roule. Bon, du coup, c'est où qu'on achète? Moi, je croyais que c'était les filtres, en fait, des armes. Ah, bah voilà. Non, là, c'est les munitions. Mais en vrai, il me faudrait des munitions aussi, hein. Pour cette arme-là. Ouais, j'aime bien cette arme. On va un petit peu acheter, voilà. J'espère que j'ai encore assez pour... Oh! Bonjour. Wow. On peut personnaliser des armes et tout. Ah ouais, on peut ajouter un silencieux, on peut le réparer. Oh, trop bien. Bonjour. Ça c'est pour les premiers secours, ok, très bien. Mais moi je veux des filtres. Je veux des filtres. Oh. Hop. Oh. Oh punaise, un stand de tir. Génial, mais je veux pas ça, je m'en fiche. Ah, du coup j'ai payé, merde. Bref, moi je veux des filtres. Alors je suis un peu perdu. C'est pas ici, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Oui, calme-toi.
J'ai conclu un arrangement avec un type ici. C'est un vrai rapace, mais on peut rien y faire. Super. Alors on y va. Je crois que tu connais ça. Mais j'ai pas acheté de filtre, hein. Eh ben on va être dans la merde, j'ai pas fait ce qu'il m'a dit de faire. Mais ça veut pas dire grand chose pour les petits hommes verts. On y va du coup? J'ai un filtre de rechange, prends-le. On doit remonter à la surface. Personne. Et ben voilà. Si quelqu'un me reçoit, répondez. Ici Moscou, station du marché. Bourbon? Comme si tu le savais pas. Si tu racques, tu peux sortir. J'ai déjà payé, Mike. Mais tu m'as pas payé, moi. Maintenant, si tu préfères rester. Merde. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Très bien, très bien. Je plaisante. Si quelqu'un me reçoit, répondez. Ici Moscou, station du marché. Tout le monde se prépare. On va ouvrir la porte. Vous êtes sûr, commandant? Tout le monde à son poste. Couvrez-moi. Bon sang. Je déteste ça. Si quelqu'un me reçoit, j'ai mis en main. Ok. Bon ça va, en soi c'est des gens gentils. C'est juste lui, il a couillonné tout le monde à l'époque apparemment. Et voilà, mais eux ils sont sympas en vrai. Allez on y va. Merci. Bonne chance les gars. J'ai de l'art. Grouille petit. Pourquoi il veut nous attraper? Pourquoi? Quand on avait émergé au milieu des ruines de Moscou, j'avais éprouvé à la fois de la crainte et de la tristesse. Mais après avoir dépassé ce terre, j'avais aussi été saisi par l'étrange beauté du ciel obscur et des paysages gelés. Voilà la vie de moi. Bienvenue à la maison, Arthur. Ça y est. On sort en extérieur, on est à la surface. J'ai pas compris pourquoi ils voulaient nous attraper les autres, mais ok. Fais très attention maintenant. T'inquiète, j'ai toujours fait attention. Allez, on met le masque à gaz. Mais voici un heureux habitant. Les stalkers, ces fichus démons remontent à la surface presque tous les jours. Ils cherchent de la ferraille, des munitions, tout ce qu'ils peuvent déterrer. Parfois, tu tombes sur des cadavres congelés comme des esquimaux. Des bonhommes de neige en guenilles. Fouille bien la pièce, tu trouveras peut-être une autre cachette ici. Ok. Ils construisent souvent des cachettes à la surface, au cas où. Donc fais bien attention. Et on n'aura pas de problème avec les réserves de munitions et de filtres. Ok, donc on cherche une cachette. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est quoi ce truc là? J'ai cru qu'il allait m'attaquer. Hop, je récupère je ne sais pas quoi, mais je récupère. Ok. Alors. J'aime pas ces bruits. Non, je suis pas prêt. Je vérifie les cachettes. Me demande pas quelque chose si j'ai pas fini ce que j'ai fait. Attends, là, ici, là. Ah. Ouah, il y avait un piège. Je viens d'éviter un piège mortel, les gars. Attends, je monte. Je sais pas si c'est un bon bail. Oh l'enculé. Ah l'enculé. Waouh. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur. Ok. J'ai récupéré un avion en papier. Non, je sais pas ce que c'est. Ok. Eh, j'ai bien fait d'être monté en vrai, non? Yes! Je me suis pris un piège, alors c'est bien. On va pouvoir découvrir les medipacks. Hop. Appuyez sur T pour changer de filtre. Pour le masque à gaz, ok, d'accord. Moi, j'imagine que c'est un cul-de-sac. Et là, si je passe... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'aime pas ça. Oh. J'ai bien fait d'être venu. Oh. Oh yes.
Des filtres. En fait, ça c'est des... Ok, des filtres pour le masque. Parfait. Parfait, parfait. Et une nouvelle note que je ne peux pas ouvrir. Très bien. On pourra pas la lire. Non. Bon, c'est pas grave. Ok, j'arrive, Bourbon, là. Je te sens un peu impatient, là. Oh. Tu vas faire quoi, gros? Ah ouais. C'est très peu rassurant. Ouah, il y a des démons partout. Ah ouais. J'aime pas ça du tout. Et là, ça va où, là? Ah, nulle part. Oh, j'aime pas ça du tout. Allez, j'arrive. Par contre, j'espère qu'on va pas aller là où j'ai vu les démons, hein. Allez, gros. On doit atteindre le conduit d'aération par lequel on descendra à la station aride. Puis on ira chacun de notre côté et je te donnerai mon AK, comme promis. Ah, ça m'intéresse. Il va me laisser tout seul, alors? Alors. Yes. Cache-toi, petit. Reste caché. Quand on sera dehors, si on tombe sur le monstre, rampe jusqu'à l'ouverture la plus proche. Certaines personnes les appellent démons, moi je les traite d'enfoirés. Très bien. Ok. C'est ça la ville morte. Bienvenue chez toi, Artyom. D'accord. Hop. Bah frérot, tu m'as pas rattrapé. Bah oui. Mais non. Eh hey, gros. Tu dois contourner Artyom. Non non. Marche pas dans les flaques. Tu serais irradié dans cette merde. Tu vois ce bâtiment avec une porte? Ta cible, c'est un conduit d'aération dans l'arrière-cour. Il te mènera à la station aride. Je t'attendrai dans le bâtiment. Y'a un repère de rangers à l'étage supérieur. Non mais abuse pas, et gros. Et ne bouffe pas la neige jaune. Mais c'est pourri, mec. Je suis sûr je peux venir. Merde. Ah. Attends, le medikit. Ok, j'ai compris, je suis bête, je suis en train de mourir, voilà, je suis mort, voilà. Voilà, je viens de comprendre ce qui s'est passé, les gars. Je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Ça y est, c'est ma première mort. Non, en fait, j'avais pas changé mon filtre de masque. Allez, on est reparti, les amis. Donc là, toujours le truc qui nous rôde à la gueule. On a une boussole, donc. Alors, attendez, maintenez pour utiliser la boussole. Ah. Et il faut que j'aille là-bas, au nord, d'accord. Eh ben, on va y aller. Je sais, le machin va nous attaquer. Hein. Hop. Voilà. Je me suis vite mis à l'abri. Alors. Enfin, à l'abri, c'est vite dit. Hein. Alors, attendez. La petite lumière. Bonjour. J'aime pas ça, là. Je suis tout seul. J'ai peur. Ça y est, je commence vraiment à avoir peur de ce jeu. Ça y est. Je vous le dis. Je vais pas assumer longtemps. Voilà, je vous le dis, je suis en PLS. Donc là, l'objectif, c'est de trouver un conduit d'aération. Hein. Si jamais... Allez, on change le filtre, ça nous évitera de mourir. Comme avant. Voilà. On commence à avoir des hallucinations de nouveau. Très bien.
Ça va, gros? Yes. Nickel. Nickel, nickel. Là, on peut descendre. Attendez, les gars. J'ai trop de possibilités. Laissez-moi. Je suis en panique. Là, je peux aller là. Mais en même temps, c'est quand même bien tentant, ça. Quelle idée de merde. Ok, je viens de trouver une nouvelle arme. Je viens de trouver une nouvelle arme. Comment vous dire? Oh là là là. On peut pas. Ok, donc je peux remonter, j'imagine. Non, je suis bloqué. Qu'est-ce que je dois faire? Faut que je sorte là? Qu'est-ce que je dois faire? Ça y est, je panique. Non, mais il y a un truc juste derrière. Ok. Et bah, je sais pas ce que je dois faire. Ah là. Oh. Ah. Oh, pas mal cette arme. Alors désolé pour le peu de commentaires que je vous offre. Je pense que vous avez compris la situation. Ah ouais, c'est chaud. Allez, soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Maintenant j'ai compris comment ça marchait. Ok, c'est bon. C'est carré. Donc on est là. Attendez, ça va où ici? On n'est pas encore allé là. Attendez. Il faut que je change de filtre. Voilà, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ça y est, je commence à comprendre maintenant. Très bien, y'a rien à faire. Ici. Bah, on revient au même endroit. Ah, là. Ah, y'a peut-être des choses. C'est verrouillé. Dommage, dommage, dommage. Je suis en pression, les gars. Allez, on va remonter. J'ai bien dégagé la zone. Ok, donc on était là tout à l'heure. Très bien. Ouais. Et ensuite on est descendu ici. Et nous on va aller là maintenant. Ok. J'adore. J'adore le principe, vraiment. Ah, mais y'a le truc qui rôde là, qui vole. Faut se cacher. Merde. Comment on éteint la lumière? Comme ça. Je l'entends, je le vois pas. Ok. La porte là, la porte. C'est ça qui m'a dit non? Non. Bah, je vais aller là, hein. J'aime très peu en fait. Ah ok, des nouveaux filtres pour le masque. Medikit. On continue. Bonjour. Eh bah, on se met là et on meurt. Ah. J'ai récupéré plein de choses, je ne sais pas quoi, mais j'ai récupéré. Ok.
Ah ouais. Franchement. Franchement. Ok, on est dans une aire de jeu là. Oh bah. C'est horrible. C'est horrible. C'est pas la même ambiance. Oh. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Non. C'est bien, c'est typiquement le jeu où tu parles pas trop. J'ai entendu un coup de feu. Ah, ah. Dis-moi que c'est toi. Dis-moi que c'est mon Rey. Attendez, y'a un truc là. Je veux pas sortir. Putain, j'avais entendu des coups de feu, je pensais que c'était mon Rey. Bon, j'ai pas le choix, je crois que je vais devoir me les faire. Ils font. Mais ils sont des millions, mon pote. Bon, j'ai pas le choix. Il y a bien un jour où il faudra qu'on se les fasse. Allez. C'est parti. Eh mais attends. En fait, ils s'en foutent du bruit, quoi. Ils sont que alertés par leurs potes. Donc, ça veut dire que si tu les tues de loin avant même qu'ils sachent que t'es là, ils s'en foutent. Hey. Ça, c'est bon à savoir. Alors, j'imagine qu'il faut aller là. Bah, génial. Ah ça va, je suis pas mort, ok. Oh j'ai eu peur. Non par contre je peux réussir quelque chose. Ok ça marche. Eh bah j'arrive plus. C'est pas grave. Oh. Je l'avais pas vu lui. Parfait. Alors attendez les gars. Je crois qu'on doit passer par là. Donc faut pas aller là, c'est bizarre. Ok. Ouais. Un peu dangereux quand même, hein. Ok. Le retour du démon là. Ah, très bien. Voilà, il nous fera plus chier. Ah, il y en a un autre là-bas, je crois. Même deux, à moins que c'est des drapeaux, je sais pas ce que c'est. Eh B. Là, ça mène à nulle part. Des coups de feu. Oh, on s'est fait avoir par un piège. Franchement. J'entends des gens qui marchent.
A mon avis, je suis pas seul. Non mais y'a quelqu'un dans la pièce. J'ai peur. J'ai peur. Bon, vous l'aurez compris, y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un à l'étage du dessous. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. On va dans le prochain épisode voir c'est qui est en dessous. Ça se trouve y'a personne, mais moi j'entends quelqu'un donc très sincèrement voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!